E Bonjour, c'est Solidaire d'abord. Alors, cette émission a été très compliquée à réaliser du fait du reconfinement qui ne nous a laissé que peu de temps pour utiliser enregistrement et concertation. Au sommaire, aujourd'hui, la gestion de la crise en général par Macron tout seul dans sa tour d'ivoire qui essaie de faire croire aux concertations comme d'hab. Les réactions de Alain dans une participation au collectif Plus Jamais Ça. Les réactions de Joseph au nom du collectif des usagers de l'hôpital d'Aubenas qui nous a enregistré un commentaire, les commentaires de Marie-Claude et Denis pour lesquels commentaires je prêterai ma voix à Denis qui est momentanément à faune Oui oui ça arrive même aux gens qui font de la radio et des commentaires personnels pour essayer de comprendre cette situation ubuesque particulière qui malheureusement pourrait durer. Donc au sommaire la gestion de la crise par Macron. Qui délègue aux services de santé une mission impossible en leur supprimant des moyens. On se pose forcément des questions sur l'impréparation et on ne peut que se dire qu'elle est voulue, ainsi que les conséquences directes sur notre société. Rassurez-vous, ce n'est pas du complotisme, c'est juste essayer de comprendre. Ne pas prévoir d'organiser les hôpitaux et les outils de santé, en effet, cela oblige donc à un confinement pour éviter une trop grande casse. Au premier épisode, on aurait pu, malgré l'impréparation, car on savait que ça se reprochait, avoir quelque indulgence. Mais ça n'est plus le cas. Et on peut que se poser des questions. Et nous sommes moins prêts à la deuxième vague qu'à la première. Invraisemblable. Scandaleux. Ou autre chose peut-être. Et aucun grand média pour dénoncer ça. Non. Le ronron quotidien. On ne parle que de ça. Mais avec très très peu de mise en perspective. On est déjà une société complètement dans le formol, non? Alors, pour animer un peu mon propos qui ronronne un peu trop, je vous mets des extraits d'un slam produit par un député qui s'appelle Alain Brunel et qui est interprété par Hugo Dess en soutien aux agents hospitaliers et aux patients en lutte. Les secondes passent comme les patients et les machines, j'ai mon tibia à la casse, on m'a oublié, j'imagine, entre les gamins qui naissent, les accidents et les vieux. Entre état et urgence, j'ajoute un D au milieu. J'ai vu ce vieil homme qui, pour dormir, contre les pilules qu'il avale. J'ai vu des proches tremblant de peur, en train d'attendre dans l'hôpital. J'ai vu des docs faire brancardier, des brancardiers faire secrétaire. J'ai vu ces hommes, ces femmes, j'ai vu leur enfer. A chaque fois que je vois un patient, je vois une impatience. Et sa santé s'éteint là où il n'y a plus de dépenses. État d'urgence, état d'urgence, on est passé de France. À souffrance, ils veulent optimiser, que ça soit aux petites misées. Luttons pour nos idées avant de se viser, Car la vie, on n'en a qu'une, et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton un sourire. Alors, je commente euh, l'intervention d'Alain dans une participation au collectif Plus Jamais Ça, qui commentait, entre autres, le fait qu'il y avait un rassemblement vendredi à 17h à Aubenas, ce rassemblement a bien marché puisqu'il y a eu 200 personnes, essentiellement sur la fermeture de petits commerces, mais aussi sur la gestion de la crise. Ces gens étaient venus d'horizons divers, de, avec des motivations multiples. Cet appel, de Cet appel de vendredi était motivé par deux choses différentes. Un appel national, euh, suite à une tribune des 300 atterrés, euh, qui nous disait en gros, euh, quand la démocratie est mise sous cloche par l'état d'urgence permanent et le confinement, quand une démocratie est sans liberté d'aller et venir et de se réunir et de manifester Quand est-ce que c'est une dé démocratie quand il n'y a plus personne dans les hémicycles des assemblées parlementaires Est-ce que c'est une démocratie où la justice est paralysée faute de pouvoir audiencé Qu'est-ce que c'est une démocratie où finalement il n'y a plus qu'un pouvoir exécutif Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie où tout ceci s'impose par la peur et la culpabilisation voir la censure et la mise en accusation de quiconque refuse d'y céder. De la même manière, ici au local. Et c'est ça qui a amené la controverse. Il y avait des gens qui ont fait une, une affiche en appel à cette manifestation où c'est vrai que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a des raccourcis. Donc, il est dans leur affiche qui est bleu, blanc, rouge avec une Marianne qui pleure, etc. Donc, déjà, on est dans une, dans un conditionnement quand même particulier. On trouve des arguments qui sont pour le moins un peu spécieux. Alors, le confinement. Les camps d'isolement, les vaccins, le revenu uni universel, tout ça, ça rappelle les camps de concentration et les gaz, c'est de l'eugénisme, un plan d'éradication. Voilà, toute la controverse était là. Mais bon, je relais les cris d'Alain. Alors Alain dit, dans cette crise pour l'instant, les grands patrons du MEDEF ne perdent rien, ni les actionnaires du CAC 40, car les grandes entreprises sont très peu touchées et auront les moyens de tenir quelques mois, mais pas les petits commerces. Ni les petites librairies, ni les cinémas, ni les intermittents du spectacle, ni les petits artisans, par ricochet, car il va y avoir moins de chantiers. Tout montre une augmentation de la précarité et de la pauvreté, comme l'indiquent plusieurs associations comme ATD Carmonde ou Emmaüs. Exemple les restos du cœur des vents ont vu leurs demandeurs doubler depuis la première vague de mars-avril. Plus de 250 personnes ce mois-ci, rien n'est prévu pour ces gens-là. Mais finalement, depuis mars et la première vague, qu'ont fait les décideurs du pouvoir macronien pour embaucher dans l'hôpital public Pour créer des lits supplémentaires Non, au contraire. Et à cause de ces non-décisions, l'épidémie n'étant pas stabilisée, ils ont décidé de reconfiner la majorité de la population responsable, ou plutôt infantilisée, car pas du tout associée à la prise de décision. Un autre petit extrait du slam de Alain Brunel. Ils veulent optimiser, que ça soit aux petites misées. Luttons pour nos idées avant de se diviser. Car la vie, on n'en a qu'une, et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Regarde ton gamin sourire. Regarde ton vieux père souffrir. Regarde ce personnel à bout de souffle qui ne veut qu'un soupir. Il est temps de soutenir, rejoins la lutte pour agir. Ils ont trouvé le poison, on trouvera l'élixir. Je rêve d'un monde sans cancer, un monde sans conseils d'experts qui, soi-disant fiers, sont prêts à sacrifier leurs frères, à sacrifier leur terre, à sacrifier leur air. Dis-leur qu'on n'est pas prêt de sacrifier et pas prêt de ils veulent optimiser, que ça soit aux petites misées. Luttons pour nos idées avant de se viser Car la vie, on n'en a qu'une, et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Je commande ce que dit Alain. Pas de décision collective, en tout cas. Hein. Bon, alors il continue. Le choix entre la santé et l'économie n'a pas du tout été fait. Car à la fois, il faut pour ceux qui peuvent faire du travail en ligne rester chez eux. Et les autres continuent à bosser pour faire marcher la grande économie. En fait, bientôt tout se fera presque en ligne. Commander tout en ligne, pas besoin de petits commerces. Les Amazones et Fnac suffiront avec les hypermarchés. On est face au fait de gouverner par la peur, les annonces anxiogènes dans les big médias, la sanction, l'amende, l'impossibilité de se réunir, de se cultiver, de manifester, la réduction des libertés publiques et la mise en panne de la démocratie on est dans le pire des régimes autocratiques c'est ça qui se profile alors que les médecins et autres professionnels auraient pu être associés d'une façon beaucoup plus large que ce semblant de cabinet de santé là et les gens sur le terrain personne n'est associé à ces décisions les infirmières les soignants les travailleurs dans les entreprises les bureaux tout le monde aurait pu être amené à réfléchir collectivement aux mesures plus justes à prendre pour se protéger et se soigner au mieux. Et enfin, un dernier petit extrait du slam de Alain Brunel. Ils veulent optimiser, que ça soit aux petites misées. Luttons pour nos idées avant de se diviser. Car la vie, on n'en a qu'une et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Alors luttons, luttons, luttons pour ce à genoux luttons et résistons pour montrer qu'on est debout. Alors luttons pour nos idées, pour que le vieil homme de tout à l'heure ne pense plus à ses cachets et pense plutôt au bonheur. Luttons pour que les béquilles ne soient plus des poids mais des piliers. Luttons pour que les patients ne soient plus des gens. À empiler, montrons qu'on est nombreux. Allez, tiens-moi la main, montrons qu'on est heureux et qu'ensemble on est demain. Il y, a, il y a des députés qui ont posé des questions à l'Assemblée nationale lors des échanges sur les décisions d'un nouvel état d'urgence sanitaire jusqu'en février et certaines mesures jusqu'en avril. Bon, ça a été refusé par la majorité à l'Assemblée nationale et aussi par les sénateurs. Oui, ce reconfinement pourrait s'avérer être un remède bien pire que le mal avec des chiffres anxiogènes qui sont toujours grossis. Souvenez-vous, Macron l'autre jour parlait de 500 morts, ce qui était faux, hein, puisqu'il y avait eu 250 morts ce jour-là, et on avait rajouté les morts de 4 jours précédents à l'EHPAD. Les prévisions de 400 000 morts sont complètement farfelues. Un chercheur britannique avait prévu 500 000 morts lors de la première vague. À lundi pour finir, je ne comprends pas ce refus de reconnaître les erreurs commises par le pouvoir macronien en place. Voir l'ouvrage du professeur Christian Perron intitulé Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise Sous-titré Covid-19, l'union sacrée de l'incompétence et de l'arrogance. Aux éditions Albin Michel. Moi, j'ai peur que ça ne soit pas de l'incompétence, mais que ça soit sciemment chercher tout ça. Hein les arrière-pensées qui animent ce pouvoir, qui défend les intérêts des plus riches et pas des plus modestes, qui ne défend pas le bien commun pour aucun service public de santé, de l'éducation ou autre. Il faut absolument promouvoir une autre stratégie sanitaire, collective, populaire, car sinon, après ce confinement, nous aurons à nouveau un couvre-feu, puis encore un confinement et ainsi de suite. J'ai peur que ce soit ça le en même temps le nouveau monde de Macron. J'ai peur que Alain ait raison et que cette tribune de plus jamais ça qui essaye d'inventer un nouveau monde après euh, ait du mal à se faire entendre. Bon alors Joseph, aujourd'hui tu es venu nous parler de l'hôpital d'Aubenas. Alors, c'est vrai que l'association des usagers de l'hôpital d'Aubenas, qui a été créée maintenant il y a 22 ans passés, hein, euh, essaye de se battre pied à pied pour euh, arriver à garder des services intéressants sur cet hôpital d'Aubenas. L'objet de l'association, c'est la promotion de l'hôpital, c'est la santé publique sur le secteur, défendre par tous les moyens, y compris juridiques, les intérêts des usagers de l'hôpital, et cela en exigeant le maintien et la modernisation de ces services, collaborer avec toutes les associations locales ou nationales défendant les hôpitaux publics. Mais euh, force est de constater que depuis, euh, moi je sais que j'ai participé à plusieurs actions de ces usagers, hein, euh, on voit que petit à petit, pied à pied, on on est obligé de reculer et que le rouleau compresseur de cette organisation de la santé au niveau européen avance et en fait, pendant ce temps-là, les droits des citoyens reculent. Alors on aurait pu penser que, euh, vu la première vague du Covid, et vu les dégâts qu'il a fait, et vu la façon dont le gouvernement nous a assuré que jamais ça ne se reproduirait, et puis que les héros c'était les soignants, et puis que, etc., et qu'on mettrait les moyens et tout, que ça ne se reproduirait pas. Et pourtant là, on est rentré dans la deuxième vague, et on a l'impression que de l'incurie complète de ce gouvernement, avec encore moins de moyens qu'à la première. Alors là, où tu en es toi, Joseph, quel est ton sentiment? Voilà mon sentiment après l'annonce du deuxième confinement. Certes, la situation épidémique est importante, donc il est nécessaire d'appliquer les mesures, et en même temps, un sentiment de colère, car la situation actuelle est due à la casse du système hospitalier depuis plusieurs décennies. Les fermetures de lits, le manque de personnel, l'étranglement financier des hôpitaux. On sait que 67 000 lits ont été fermés en plus de 30 ans. En même temps, les dépenses de santé n'ont cessé d'être comprimées. Le taux d'augmentation des dépenses de santé voté par le Parlement ne répondra pas aux besoins. En fait, la crise du Covid-19 révèle cette situation avec des conséquences dramatiques sur la santé des Français. Manque de lits de réanimation. On sait, selon les spécialistes, qu'il faudrait 10 000 lits en plus pour satisfaire la demande et donc l'impossibilité de traiter en même temps les malades atteints d'autres pathologies, ce qui aura d'ailleurs des conséquences à moyen et à long terme sur la santé de la population, des maladies chroniques, les interventions euh, programmées, etc. Face à cette situation, hein, le personnel et les asso associations d'usagers ne se sont pas laissés compter. On se souvient des mouvements des urgences entamés il y a plus de deux ans, euh, mouvement rejoint par l'ensemble des personnels hospitaliers. Ce mouvement d'une ampleur exceptionnelle, avec un traitement d'ailleurs policier inacceptable, réclamait une revalorisation des salaires, l'arrêt des fermetures de lits et des moyens supplémentaires au personnel. La crise sanitaire a montré les capacités de dévouement des personnels hospitaliers, de l'ensemble des services publics et de la France d'en bas, comme on dit, et l'incapacité de ce gouvernement à gérer la situation. On se souvient à la première vague de, de, de du Covid, euh, l'exemple des masques où effectivement euh, on, on trouvait plus de masques, on trouvait plus de respirateurs, enfin bon, euh, difficulté et la négation en plus de, de l'efficacité des choses. Le, gouverne le gouvernement donc a bien été obligé à la suite de cette euh, contamination de réagir face à cette situation. Il a lancé en août une concertation euh, sans, euh, à grande échelle. Qu'on a appelé le, le, le Ségur de la Santé, hein, mais qui est censé euh, ouvrir toutes les possibilités, mais bien sûr sans jamais remettre en cause les objectifs de la politique du gouvernement. D'ailleurs, un rapport de la commission la, la Caisse des dépôts et de consignation proposait d'appliquer la loi Buzin, une loi qui venait juste d'être votée avant la, la, la contamination, mais plus rapidement. On se souvient que cette loi visait à transformer nos hôpitaux de proximité en, en hôpitaux locaux, c'est-à-dire en EHPAD, euh, sans, sans chirurgie, sans maternité. Euh, en fait de concertation, ce fameux Ségur de la santé n'a pas répondu aux attentes des usagers et du personnel. Hein, mais à part une augmentation des salaires du personnel et une prime ponctuelle, d'ailleurs inégalitaire, euh, rien sur les fermetures de lits et l'augmentation du personnel. Au contraire, les fermetures de lits ont continué. Hein, 2500 lits ont été fermés depuis la crise du Covid, entre autres à Nice, à Marseille, à Rouen, à Nantes, à Besançon par exemple. En Ardèche, après la fermeture de la maternité de Privas en 2019, en septembre, à Joyeuse, 15 lits de médecine et 17 lits de rééducation ont été fermés par manque de médecins. On le voit malgré les discours lénifiants sur le personnel hospitalier, la logique est la même. La preuve le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 prévoit de réduire les dépenses des hôpitaux d'un milliard et demi et l'instauration d'un forfait de 18 euros pour un passage aux urgences sans hospitalisation. Cette dernière mesure frappe durement ceux qui sont confrontés aux déserts médicaux. Et à Aubena, me direz-vous À Aubena, lors de la première vague Covid, l'hôpital était consacré quasi totalement au Covid. Opérations reportées, consultations supprimées, je l'ai dit plus haut, cela, aura des, cela a, aura des conséquences sur l'état de santé de la population, et particulièrement pour les résidents en EHPAD dont le suivi médical a été négligé. Pour la deuxième vague, bah bien sûr, l'espace moyen revient encore au Covid, car le nombre d'hospitalisations augmente. Hein. Il faut rappeler que notre et les, les contaminations aussi. Il faut rappeler que notre association s'est toujours battue pour le développement des services à l'hôpital. Je prends pour exemple la néonatalogie, le service de néonatalogie, le service de réanimation adulte, par exemple, tient justement un service de réanimation adulte qui était qui est beaucoup euh, mis à l'épreuve ces derniers temps avec le Covid. Notre, notre, association, notre association continuera à être présente, comme en novembre 2019, en juillet 2020, devant l'hôpital d'Aubenas. Pour une santé solidaire, s'appuyant sur la sécurité sociale, prenant en charge à 100% les besoins de la santé, on se souvient effectivement que c'était l'objectif du ministre Ambroise Croizat, du ministre communiste Ambroise Croizat, de pouvoir réaliser cette, cet objectif. Et je pense qu'aux 75 ans de cet anniversaire, je pense qu'il faut, faut revenir à l'essentiel. Nous demandons aussi une étude des besoins et de l'offre de soins sur notre bassin de vie. La petite séquence qui suit est une réponse à Joseph de la part de Marie-Claude et Denis. Comme Denis était à faune, je me suis permis de dire sa partie de texte. Comme tu l'as expliqué, Joseph, le Ségur de la Santé n'a pas apporté de solution en termes de lits et de personnel. Rien n'a été fait. Et au contraire, les lits ont continué à être fermés dans le courant de l'année 2020 et même juste après le premier confinement. Les conditions de travail dans les hôpitaux s'aggravent. Ce qui veut dire cela va de soi, mais il faut le souligner quand même, que les conditions de prise en charge des malades ne sont pas bonnes, même si les soignants font tout ce qu'ils peuvent. Bien sûr, on peut aussi revenir sur les 18 euros que vont avoir à payer les patients aux urgences lorsque par la suite ils ne seront pas hospitalisés. Ce n'est pas par plaisir qu'on va attendre plusieurs heures dans une salle d'attente bondée. Avec ses souffrances et ses angoisses. Et c'est bien parce que l'on manque de médecins dans ces déserts médicaux qui font florette que l'on se retrouve aux urgences, pas par choix. Et si c'est la seule solution qu'a trouvé ce gouvernement pour désengorger les urgences, c'est bien triste. Ce qui prouve une fois de plus son incapacité à gérer le problème. Il est complètement déconnecté de la réalité. Et tape une fois encore dans le porte-monnaie du citoyen. Où sont nos députés qui devraient nous protéger Selon l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, avec 2070 euros nets par mois, le salaire moyen des infirmières et infirmiers en France est en dessous de la moyenne européenne, mais aussi de celle de l'OCDE tout court, qui est de 2600 euros. La France est 22e sur les 33 pays de l'OCDE. Bon, c'est à noter que l'OCDE ne s'occupe pas vraiment des pays en voie de développement, hein. c'est pas le tiers monde, hein. mais dans ces pays développés, donc nous on se retrouve un peu en queue de peloton. Les infirmiers allemands touchent en moyenne 2383 euros, les espagnols eux 2600 euros net. Les syndicats en France réclament 300 euros d'augmentation pour rattraper le retard sur le salaire des autres infirmiers de l'Union européenne. Ceci explique peut-être le manque d'infirmiers et infirmières dans les hôpitaux, soit qu'ils se mettent en libéral ou qu'ils changent carrément de métier. C'est donc, il me semble, la politique comptable du gouvernement qui est la cause du manque de personnel et aussi, par effet domino, de la fermeture de lits et parfois de services. Et c'est cet état de fait qui met encore une fois de plus en danger les usagers de l'hôpital. Et oui, le temps pour arriver à un hôpital qui a encore tous ses services s'allonge parfois considérablement. Un cas en exemple, pas le pire les accouchements dans un camion de pompiers. Ce n'est plus aussi rare et ça ne fait souvent que quelques lignes dans les journaux. J'ai appris d'ailleurs. Que les pompiers ont maintenant une formation pour assister des futures mamans lors des accouchements. Pour en revenir au salaire des personnels des établissements de santé et des EHPAD, une revalorisation de 90 euros par mois sur les salaires nets a été versée dès septembre 2020. Ouais, pactole Une autre augmentation de 93 euros par mois était programmée en mars 2021. Jean Castex a annoncé le jeudi 15 octobre 2020, qu'au vu de la situation sanitaire, cette augmentation tombera d'ici la fin de l'année. Cette augmentation ne concerne pas les médecins ni le personnel des établissements médicaux sociaux. Bon, quand j'ai dit Pactol tout à l'heure, c'était un peu pour rire, hein, parce que bon, ils sont dans une situation dramatique et on les augmente peu. Il a également été annoncé ce jour-là une enveloppe de 100 millions d'euros pour les agences régionales de santé. Afin qu'elles organisent mieux la gestion des ressources humaines. Bon, moi, ça me donne un peu envie de rire. Hein. Donner à nouveau plein, plein d'argent aux agences régionales de santé pour qu'elles organisent mieux la gestion des ressources humaines. On voit ce qui s'est passé depuis 20 ans. Donc, si je comprends bien, c'est leur donner plein de sous pour encore fermer des postes. Enfin, bon, je suis peut-être mauvaise langue. Et qu'en est-il pour la sécurité sociale La sécurité sociale, qui a quatre branches famille, maladie, accident de travail, Retraite devrait bientôt avoir une cinquième branche, celle du soutien à l'autonomie. L'examen du projet de loi du financement de la sécurité sociale a débuté le 20 octobre 2020. Le 27 octobre, l'Assemblée nationale valide en première lecture le projet de budget. Ce texte, adopté par 326 voix contre 204, touche entre autres les assurances complémentaires santé. La première lecture au Sénat se fera du lundi 9 novembre au mardi 17 novembre 2020. La Sécu va vers un déficit de 44,4 milliards. On nous dit que c'est à cause, d'une part, des baisses de recettes qui sont dues en partie aux allègements de cotisations des entreprises, et d'autre part, de la hausse des dépenses liées à la crise Covid. Certaines dépenses sont liées aussi au dispositif chômage partiel dont bénéficient les entreprises qui ont eu une activité réduite ou arrêtée à cause du confinement, d'un couvre-feu ou d'un cluster. Je signale au passage que la Banque centrale européenne a mis en place un programme de rachat de la dette publique et privée de 750 milliards, et aucune somme n'a été affectée à la réduction de notre dette sociale au nom au nom, au nom, tenez-vous bien, d'une nécessaire solidarité. Il ne faudrait pas que cette crise du Covid serve enfin à démanteler complètement la sécurité sociale. C'est ce qui est à l'œuvre depuis la guerre, depuis la résistance, depuis le moment où le CNR avec Ambroise Croisa ont réussi à, à mettre en place cette sécurité sociale qui aide le peuple et ils ont réussi à mettre ça en place parce que ils, ils en avaient trop croqué là, tous ces gens, tous les puissants pendant le, le, les, la période nazie. Alors, il faudrait pas quand même que maintenant, petit à petit, après qu'elle ait été démantelée pièce par pièce depuis ce moment-là, avec le prétexte de, du Covid, on la charge, on la charge, on la charge de, ré, de répondre à toutes les dépenses pour les pauvres et qu'enfin on arrive à la démanteler. Parce que moi, il me semble que c'est ça qui est à l'œuvre quand même. Encore une petite précision, la sécurité sociale est magnifique parce qu'elle a aidé beaucoup de choses, mais moi j'ai pas envie de faire un caca merdeux sur la, le mot sécurité sociale. J'ai envie que la santé soit gratuite pour tous et qu'on puisse continuer à avoir des retraites. Hein Aujourd'hui, on se trouve de nouveau avec un confinement. Les mesures prises sont loin de nous garantir un système de santé efficace. Et franchement, la crise Covid n'explique pas à elle seule cette déchéance. Le plan blanc est activé depuis le 23 octobre sur nos Aubenas à la demande de l'Agence régionale de la santé. Cela se traduit par les interdictions de visite à l'hôpital d'Aubenas et dans les EHPAD de Rouvérol à Aubenas, le Bosque à Valselbain et les sites de Burzé et Rocher-Largentière. Les opérations non urgentes vont être déprogrammées et l'accueil des unités Covid va être augmenté. Bon, je vous dis au revoir et surtout gardez le moral parce que c'est notre seul capital pour être capable de lutter pour garder des hôpitaux vraiment équipés, une ARS qui arrête de casser tout notre service de santé et la santé pour tous. Allez, à bientôt.